Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 7 novembre 2017. Écoutez, mon nom c'est Jacques-Joseph Antoine Pierre de la famille de la corporation inanimée et intemporelle Normandin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur la question de la fiscalité. Entre autres, l'agent devenu du Canada, Mme Diane Boutillier, qui a reçu des documents par huissier. On me reconnaît, on me connaît aussi dans le recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. On a gagné cette année. Je suis avec M. Claude Dubé, que tout le monde connaît. Il est partout sur Facebook avec Jean-Yves Lessard et Mario Talbot et Denis Tanguay. Donc, écoutez, aujourd'hui, ça regarde. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Vous savez qu'un premier ministre ou des premiers ministres qui protègent leurs revenus dans des paradis fiscaux sous forme d'évasion fiscale ou d'évitement fiscal, permis par la loi ou permis par des règlements. C'est quelque chose d'assez particulier. Ça prouve que le premier ministre qu'on a élu, qui est député dans sa circonscription électorale, il y en a un qui m'a dit, écoute, il dit, il vole le peuple. Ils cachent ses revenus dans des paradis fiscaux. C'est des voleurs. Ces gens-là nous mettent en prison. Ces gens-là nous poursuivent devant les tribunaux judiciaires. Il y a des juges qui nous emprisonnent, qui font saisir nos biens et tout ça. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de loi. C'est la seule raison. Dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, si peu dans la définition du mot « loi », loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. La loi du Parlement du Québec, là, c'est pas peu dire, c'est la loi E20.2 de l'an 2000. Cette loi-là n'est pas une loi. Il n'y a pas de loi au Québec. Et si le fédéral se permet de prélever des impôts et des taxes ici, alors que Justin Trudeau puis Brofman, ici, on le voit bien, là, il y a eu quand même un bel article là-dessus. J'en ai pris copie et on voit ici, je vais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant. Tiens, regardez ici, vous pouvez voir notre ami Justin avec M. Brofman qui protège leurs revenus dans des paradis fiscaux. Écoutez, on parle de notre premier ministre du Canada. Le premier ministre du Canada, on parle de la reine. La reine, paraît-il, qu'elle protège aussi ses revenus dans des paradis fiscaux. Depuis quand que la reine, qui est la monarque britannique, qui est supposée d'être riche, a craqué, est obligée de se conformer à des institutions comme l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Québec, l'Agence du revenu de Grande-Bretagne, l'Agence du revenu des États-Unis, hein, l'Internal Revenue Service des États-Unis, ainsi de suite. Comment ça que nos dirigeants sont obligés de se conformer à des agences qui sont hors la loi? Il n'y a pas de loi ici. Et vous savez que le mot « loi » veut dire « droit ». C'est synonyme de « droit ». Et afin que l'impôt s'applique partout au Canada, notre cher Pierre-Éliott Trudeau a adopté la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. L'article 24 qui stipule que vous n'avez pas le droit de rien révéler qui déconsidère l'administration de la justice. Ça, c'est l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 33, qui est la clause dérogatoire, supprime la primauté du droit. La primauté du droit est la suprématie de Dieu. Donc, si ça supprime la primauté du droit, c'est que ça supprime les lois. Ça, personne ne vous l'a expliqué. Il n'y a pas un juge qui va vous l'expliquer. Il n'y a pas un avocat qui va vous expliquer ça. Il n'y a pas un notaire qui va vous l'expliquer, ils vont être radiés du barreau. Vous savez qu'il y a une loi, c'est la loi sur la protection de l'information, qui est une loi fédérale, la loi O05 de 1985, sur la protection de l'information, qui est une loi fédérale, protège des renseignements sous le silence à perpétuité. C'est bien écrit dans la loi « Silence à perpétuité ».
Vous savez que l'article 2858 du Code civil stipule qu'on n'a pas le droit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Quand on dit des vérités, c'est la loi 20.2. C'est la loi de l'impôt sur le revenu, qui est la loi I3, que les gens ne sont pas renseignés là-dessus, mais vous savez que seulement la définition du mot « loi » qui dit qu'il n'y a pas de loi ici, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, il y en a un qui n'a pas de loi, Trudeau, Couillard, tous les premiers ministres ici, là, même si Drinville disait « Non, moi, je n'ai pas d'argent dans les paradis fiscaux, mais c'est parce que c'est un imbécile. » Ou bien parce qu'il ne faisait pas de l'argent. Il n'en faisait pas d'argent. Parce que normalement, les gens intelligents qui savent qu'il n'y a pas de loi protègent leur argent dans des paradis fiscaux, comme KPMG, et je protège KPMG. Je protège Pierre-Éliott Trudeau, je protège Justin Trudeau, je protège tous ces gens-là qui ont mis de l'argent dans des paradis fiscaux. Que ces gens-là soient décédés ou non, premièrement, ils ne peuvent pas décéder parce que les paradis fiscaux appartiennent à des personnalités juridiques, c'est-à-dire des personnes physiques. Et ici, l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la loi B3 du fédéral, stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité, ça n'existe pas, elle n'a pas d'existence, c'est une propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, votre corps qui se promène dans la rue, sur le trottoir ou quoi que ce soit, en matière fiscale, en matière judiciaire, en matière législative, et même en matière électorale, c'est des objets. Et l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1991, parce que ça a été aboli en 1991, stipule que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Donc, si on est comme des animaux, puis qu'on est des meubles, c'est qu'on n'est pas des animaux, puis qu'on n'est pas des humains. Vous comprenez? Quand tu vas dans la définition du mot « humain », hein, dans le dictionnaire de droit québécois et canadien, de Hubert Reed, ils disent bien qu'un humain, c'est une personne physique. Une personne physique. Allez à l'article 4.1 de la loi sur la faillite. Vous allez voir, c'est pour ça que votre sûreté, là, que Pete Daou parle si souvent, là, puis qu'il y a eu des problèmes, puis ce pauvre gars, il s'est démené autant qu'il pouvait, là, puis il se démène encore là-dessus. Ben écoutez, cette fameuse sûreté-là, elle existe. C'est le chiffre en rouge, le montant. C'est le chiffre en rouge sur le talon de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Moi, je l'ai. Mais les nouveaux certificats de l'État civil, je pense qu'ils ne mettent plus de numéro en rouge dans le bas. Je pense qu'ils ont effacé beaucoup de choses. Et dans votre enregistrement de déclaration de naissance vivante, là, du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans les anciens documents, comme moi, parce que j'étais un vieux, j'ai 77 ans, les anciens documents, en marge, c'était écrit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Il n'existe pas. Donc, l'impôt, vos revenus, vos achats, vos ventes, vos revenus, vos dépenses, tout ce qui passe par l'Association canadienne des paiements, bien, toutes ces transactions-là, ça appartient à l'État, ça appartient à l'Association canadienne des paiements, et ça appartient au registraire des entreprises et à Revenu Québec et Revenu Canada. Vous savez que toutes les institutions public au Québec, l'Assemblée nationale, les tribunaux judiciaires, l'administration de la justice, toutes les institutions judiciaires, le directeur des poursuites criminelles et pénales et tout ça, c'est tout enregistré au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et vous savez que dans la loi C-38, qui est la loi sur les corporations au Québec, ça stipule bien que la décision, l'étendre, le saut, hein, le sceau du registraire des entreprises a le même pouvoir que le sceau du lieutenant-gouverneur. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que le registraire des entreprises du Québec, quand il appose son sceau sur un document, c'est comme si c'était le lieutenant-gouverneur. Et le lieutenant-gouverneur, bien, la dévolution de la reine depuis 1893, chapitre 14, et finalement, ça s'est terminé en 1985, c'est Brian Mulroney. En 1985, dans la loi du Parlement du Canada, chapitre P1, qui a dévolu les pouvoirs et l'autorité de la monarchie, c'est-à-dire du pouvoir de la couronne, du pouvoir exécutif du Canada. Il a dévolu ça à son propre pouvoir législatif à lui. Donc, aujourd'hui, il est à la fois premier ministre à la Chambre des communes et à la fois, il représente aussi le gouverneur général qu'il nomme lui-même.
parce qu'ils ont sacré la reine dehors. Comment ça que la reine est obligée de protéger elle-même son argent dans les paradis fiscaux? C'est parce qu'elle n'a plus de souveraineté. Elle est soumise, elle est assujettie comme vous et moi. Elle est une simple citoyenne comme nous qui contrôle tout. Les marchés boursiers internationaux qui se protègent par des avocats et des juges hors la loi, parce qu'ici, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas plus de loi au fédéral. Qui est souverain? C'est l'impôt. C'est l'Internal Revenue Service des États-Unis. C'est l'Agence du revenu du Canada ici, qui est une corporation enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. J'ai tout ça. J'ai toutes les copies de ça. Je les ai toutes prises de façon à ce que si le gouvernement décide de nous les cacher, ben j'ai encore les preuves. Parce que vous savez qu'on fait affaire à des menteurs, des trompeurs, des hypocrites, des traîtres. Ces gens-là sont traîtres à la nation. Ils sont en outrage à la nation. Ils sont en outrage au peuple québécois et au peuple canadien. Et vous savez que depuis 1968, on n'a pas le droit d'élire un candidat du Québec à la Chambre des communes du Canada ou au Sénat canadien si le premier ministre nomme des candidats québécois comme sénateurs au fédéral. On n'a pas le droit parce que le Québec ne fait plus partie du Canada. La Constitution canadienne s'applique seulement aux provinces et au Parlement du Canada. Ici, il y a deux parlements au Canada maintenant. Par la loi E20.2, qui est la Constitution du Québec, il y a le Parlement du Québec et le Parlement du Canada. Et vous irez voir dans le numéro d'entreprise du Barreau du Québec, OK? Le numéro d'entreprise du Barreau du Québec, enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, qui dit bien que le barreau, c'est le barreau du Québec en français, mais en anglais, il se désigne comme étant le barreau de la province de Québec, puis ça, c'est en 2017. Alors que depuis l'an 2000, le Québec, c'est un État national dans sa constitution. Sa constitution n'est pas respectée. Comment voulez-vous croire à un Québec qui va éventuellement se faire une constitution alors qu'il ne veut même pas respecter sa propre constitution? Dans tous les actes judiciaires devant les tribunaux judiciaires, on désignait jusqu'à peu de temps, là, ça fait pas longtemps, on désignait toujours le Québec comme étant une province. Maintenant, ils disent juste Québec. Ils ont enlevé le mot de province. Mais ça fait rien. Le règlement fédéral, CRC, chapitre 391, je pense que c'est de 2006, c'est Stephen Harper, sous l'époque du premier ministre Stephen Harper, qui tout simplement dit que le Québec maintient sa désignation de province malgré la loi E20.2 de l'an 2000 qui a fait du Québec l'État national du Québec. Donc, écoutez, Justin Trudeau, c'est pas un voleur, OK? Brofman, c'est pas un voleur. La reine, elle ne vole pas le peuple, c'est juste que c'est des gens qui ont de l'argent. N'oublie pas que c'est les pauvres qui sont attaqués par les tribunaux ou les avocats. C'est les pauvres. Et la classe moyenne, qui est pauvre d'esprit dans ses connaissances, qui ne connaît rien, qui est pas capable de se défendre. Là, je suis en discussion avec le vérificateur général du Québec, c'est Mme Leclerc. Elle va m'expédier un document. J'ai enregistré quand même sur mon cellulaire le message comme quoi elle a bien reçu mes documents. Et mes documents en question, écoutez, j'ai quand même deux lettres de l'UPAC qui me félicitent pour le travail que je fais contre la collusion et contre la corruption. Et ils l'ont fait d'une façon très, très honorable, si vous voulez. Ils m'ont félicité pour l'intérêt que j'ai à travailler, à faire mon travail contre la collusion et contre la corruption. Écoutez, j'ai expédié un grand nombre de télégrammes qui m'ont coûté une fortune. Il y a des télégrammes qui m'ont coûté jusqu'à 600 $ le télégramme. Et même expédié à la Cour suprême, au premier ministre, à toutes les institutions publiques, ce qu'il y a de plus important, ils n'ont jamais répondu. Vous savez que l'Agence de revenus du Canada, elle va recevoir nos documents. Elle les reçoit, nos documents qu'on lui envoie par courrier recommandé, mais sans signature. Donc, elle viole le code ISO de l'UPU, de l'Union Postale Universelle, dans lequel le Canada, ça fait 175 ans qu'il est membre de l'Union Postale Universelle. Le Canada ne respecte plus absolument rien. Absolument rien. Et le Québec, bien, qu'est-ce que vous voulez, il suit. Et le Canada, c'est le Québec. En général, ceux qui ont gouverné à Ottawa, c'est tous des gens qui venaient du Québec.
C'est tous des gens qui en avaient contre la monarchie. Et il y en avait tellement contre la monarchie qu'aujourd'hui, la reine, elle est avec cette gang-là, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix d'embarquer avec cette gang de voleurs-là. Parce qu'elle a un poste à respecter d'une certaine façon face à ses sujets, parce qu'elle n'a jamais renoncé, la reine, à son serment de fidélité envers ses dignes et loyaux sujets. Alors que tu n'as pas un premier ministre qui est élu, qui fait serment de fidélité à ses citoyens, à ses sujets, aux citoyens canadiens et canadiennes, aux citoyennes et citoyens canadiens ou québécois. Parce qu'oubliez pas que Stephen Harper a reconnu que le Québec, c'était un État. Il l'a avoué, puis État veut dire pays. Depuis quand que le pays du Canada, qui est un État, a le droit de venir chercher des taxes et des impôts ici? C'est parce qu'il n'y a pas de loi. C'est pour ça que tous ces gens-là protègent leur argent dans les paradis fiscaux. C'est pour ça que la vérificatrice générale, actuellement, est en train de vérifier par l'UPAC qu'est-ce qui se passe sur le financement des partis politiques. C'est quoi la corruption Charbonneau? Faut que ça cesse. Vous comprenez? Faut que ça cesse. Je pense que Louis Hébert a fait sa part en élisant la CAQ et en mettant dehors le Parti libéral. Puis imaginez-vous, le statu quo, il faut que ça cesse. Ça prend un renouveau. Ça prend une correction à travers le système. C'est comme un système électronique sur le Canada qui est corrompu, qui est rempli de vices, tellement vicieux, qu'il va falloir tout simplement le nettoyer au complet et ensuite de ça, l'actualiser, lui mettre du neuf dedans, faire respecter des lois, faire respecter une constitution. Elle n'a jamais été respectée. L'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, c'est la plus belle constitution au monde. Ça, Jean Chrétien l'avait dit, puis ça y avait raison. C'est la plus belle constitution d'un pays dans le monde. L'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, et j'en suis quand même son gardien. Et actuellement, nos gouvernements, autant du Québec que du fédéral, sont en outrage à l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, et la reine a signé le rapatriement complètement dans le haut de l'acte de rapatriement, pas dans le bas. Donc, tout ce qui concerne le rapatriement de la Constitution, elle n'est pas responsable de ça. Elle n'était pas folle, la reine, elle n'est pas folle. Elle vous a protégé en signant dans le haut, parce qu'ils s'en sont débarrassés. Puis en signant dans le haut, que si tu veux, même si elle n'est pas d'accord avec le gouvernement, elle est obligée. Puis ça, les médias, ils ont une facilité de dire que la reine protège son argent dans les paradis fiscaux pour montrer. Les médias, c'est une gang de bâtards là-dedans, les administrateurs. Écoutez, tu ne peux pas avoir plus crapuleux, plus déchets que nos médias d'information, à la télévision ou à la radio. Ils vont envoyer des choses sensationnelles, extraordinaires, alors qu'ils ne règlent absolument rien. Moi, ce que je vous dis actuellement, je ne suis pas capable de faire dire ça par les médias d'information. Jamais ils vont m'inviter à une émission pour que je vous dise à pleine face, ici devant 7 millions de population, puis au Canada devant 36 millions, ce qui se passe ici. Moi, si on pouvait me permettre de le faire, je suis gardien de vos intérêts, gardien des intérêts de la reine d'Angleterre, qui est obligée, comme tous les gens intelligents, de protéger leur argent dans les paradis fiscaux. C'est les journalistes actuellement qui s'attaquent aux gens qui protègent leur argent dans les paradis fiscaux. C'est une gang de bâtards. Vous comprenez? Ces gens-là n'ont pas à protéger des gens qui veulent protéger leurs revenus contre une fiscalité hors la loi. C'est écrit qu'il n'y a pas de loi. La loi I3 du Québec, chapitre I3, article 1, qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec » et les règlements RC 251 et T1118 de l'Agence de revenus du Canada. Quand vous lisez l'endo de ces formulaires-là, qui est une demande formelle de paiement, c'est le titre du document. Quand vous lisez l'endo de ça, vous voyez le nom de toutes les provinces et territoires avec leurs lois, sauf le Québec. Ici, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Vous allez voter, là, en 2018, pour un gouvernement de rien qui n'est pas capable de vous dire la vérité. La vérificatrice générale, là, j'attends des nouvelles parce qu'elle n'a pas le droit de se déconsidérer sur ce que je vais lui révéler. Parce que ce que je vous dis là, je lui dis à elle. Et là, on va taxer l'Association canadienne des paiements. 2%. Ça va rapporter au Canada deux fois plus que toutes les taxes et les impôts que perçoit actuellement le Canada dans un an pour tout le monde, pour toutes les compagnies et tout ça. Ça va rapporter deux fois plus. Imaginez-vous.
et on peut abolir l'impôt sur les taxes et l'impôt sur le revenu seulement en taxant 2%. Puis c'est facile de taxer 2% de l'Association canadienne des paiements et toutes les transactions enregistrées ici. Écoutez, je lisais tout dernièrement, le produit intérieur brut mondial est de 154 000 milliards de dollars. Alors que le produit intérieur brut du Canada, c'est-à-dire tout ce qui a été enregistré, pas le produit intérieur brut du Canada, je m'excuse, mais toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements, dans un an, pour 34 340 000 de population, parce que c'est en 2011 que ce rapport-là a sorti, j'ai toutes les copies de ça. Le gouvernement, il enregistre pour 179,5 milliards de transactions par jour. Ça équivaut à plus de 5 200 $, environ 5 200 $ par tête de transactions. Comme si chaque individu, pour 34 340 000 de population ici, les enfants comme les vieux, hein, dépensent tous les jours en transactions devant les banques 5 200 $. Écoutez. Alors que si on taxe 2%, ça équivaut. Hein? Ça équivaut à 100 $ par jour par tête, un peu plus que 100 $ par jour par tête, que l'Association canadienne des paiements paierait à tous nos gouvernements ici, au fédéral et au Québec, et tout dépendant comment ils veulent organiser la fiscalité. Puis ça rapporterait deux fois plus que ce qu'il y a là, puis il n'y aurait plus de coupure à la santé, à l'éducation. Il n'y aurait pas ces fameuses fraudes. Pour quelle raison qu'on expose les gens à frauder? Hein? Parce qu'il n'y a pas de loi. Parce que les gens sont pauvres, puis ceux qui sont riches, ils en veulent trop. Puis ceux qui n'en ont pas, ils en veulent. Ils ont besoin d'argent pour vivre. Ils ont des familles. Eux autres aussi ont droit à un confort. Eux autres aussi ont droit à, je ne sais pas moi, écoutez, il n'y a pas de terme pour expliquer quels sont les besoins de notre population, de notre chère population, des gens comme vous et moi. Vous comprenez? Donc, là-dessus, on se laisse. J'ai la visite. On se reparle. À la prochaine. Merci.